Voilà. Voilà, doucement. On reprend ses esprits. Monsieur Moriarty? Bah alors? Vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a une voiture, elle a fait du contre-sens ou j'en sais rien, j'ai mal. Aïe. Mon skateboard. Laisse-le là-bas. Restez là. Arrêtez, ne retournez pas sur la route. C'est mon dernier souvenir de mes Gertrudes. Il me faut mon skateboard. Aïe, merci. Merci. C'est bon? Ouais, c'est bon. Sinon, on en a pour la soirée là. Ah bon? C'est pas ma faute. Allez, prenez votre skateboard. Ah, c'est bon, je l'ai pris. Pourquoi je le vends pas là? Ah bon? Bah, je sûr? Il est là. Ah non, moi je l'ai. Je suis dessus, putain. Non, moi je l'ai. Bon bah, allez-y, montez dans l'ambulance. Allez, montez. Parce que. J'en ai marre d'être à l'hôpital. Deuxième fois. C'est pas moi. C'est toi qui m'as dit que j'allais mourir. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, t'as dit que j'avais 12,4 de pension, c'était bon. Non, t'as dit que j'avais 27. Ah ouais, 27, tu serais bien mort. C'est toi qui as dit, c'est pas moi. Tu vas tomber. Oh mon dieu, j'ai peur. En plus, c'est une faute. Faut falloir qu'on aille au mécanicien. J'espère qu'il est là, genre. Faut pas le dire à Andrew, sinon il va pas être content. De quoi? Bah, après, je retourne encore à l'hôpital. Ah bah, tant pis pour toi. Non, va pas le dire. Allez, tu comprends, c'était ton appel, hein. Oh putain. Comment il peut savoir que c'était mon appel? Il m'avait balancé. Ah, tu prends un fauteuil, il bouge pas. Hey. Vous êtes quoi sur la route tout seul en scooter? Non, j'étais en skateboard. Bah, je me balade. Parce que c'était mes derniers instants et je vais bientôt mourir. Menteur, assez n'importe fort. Quoi. C'est toi qui m'as. Non! Je vais faire lire mes messages, je vais prouver que j'ai pas. Non, tu m'as dit de vive voix, tu vas mourir. J'ai pas dit 27. C'est une raison pour faire des bêtises comme ça. Bah écoutez, j'approche de la mort, faut bien que je fasse des bêtises. En skateboard à votre âge. C'est pas grave. Jeudi, je prends du saut en parachute. Oh mon dieu. Par là. On est au garage. On est bien en tournée à l'hôpital. Il était à même pas 500 mètres. Tu vas aller où au premier? Puis j'activerai pas mon parachute. Tu vas aller au premier ou au rez-de-chaussée? Moi, bah, je vais aller au garage. Au premier pour faire une petite radio de routine quand même, pour être sûr. Encore? Putain, mais hé. Tu vas être bionique toi. Hein. Radio, non, scanner. Laissez-moi tranquille. J'en ai marre, putain. Non, mais là, entre les scanners, les radios, les machins, voilà. Et ma tête, elle est aussi grosse qu'un siphon, putain. Laissez-moi tranquille, je veux plus faire de scanner. Bah, on n'aurait pas à faire des radios si vous n'arrêtiez pas d'avoir des accidents. C'est vous pourriez avoir des fractures. Faute. Surtout à votre âge. C'est pas ma faute. Pourtant, c'est vous qui avez décidé de faire du skateboard sur la route, non? Non, c'est la voiture, elle est venue sur le trottoir. Allez, déshabillez-vous. Encore? Bah oui, c'est mieux pour la radio. Oh putain. La dernière fois, elle a pas voulu... le savoir depuis le temps. Elle n'a pas voulu me rendre mes vêtements la dernière fois. Hein. C'était la dernière fois. Allez, calmez-vous. Ah, c'était tout à l'heure, il n'y a même pas une heure. Oui, mais c'était tout à l'heure. Allez, on se calme. J'en ai marre, putain. Toujours pour ma gueule, les problèmes. Putain, c'est lui qui roule sur le trottoir. C'est pas grave, après j'ai un run. Je vais apprendre à faire des sauts en parachute. Le dernier instant de Moriarty. C'est cool. C'est sympa. Bon, bah encore à l'hôpital, hein. J'ai l'impression mon RP est vraiment à chier, putain. Claire.
Ça doit faire deux, même pas 2 heures. Attends, il est quelle heure là? Allez, c'est fini. Ça vous pouvez fait vous rhabiller. 2 heures que je live. Je suis allé. Bah, on peut mettre un ratio. Ah. Ça fait. Exact. C'est bon, je peux partir. Non, non, assis-toi. Oh putain. Combien va aller voir les résultats là-bas. Mais faut que tu poses le siège là parce que de côté c'est. Voilà, nickel. Vous voulez pas vous rhabiller? Ah ben oui, c'est vrai, cette fois-ci on va pas serait mieux quand même. Vêtements, hein. Surtout ce t-shirt là, serait dommage de le perdre. Ah, c'est clair, j'aime bien. Mais putain, j'arrive pas, ah, voilà. J'arrivais pas à remonter mon pantalon. Ah, il fallait demander de l'aide. Mais j'ai pas besoin d'aide. Tu prends ou tu fais quoi? J'ai regardé des résultats, mais bon, ok. Moi, je t'entends en salle de réveil. Oui, tu le mets en bas, s'il te plaît. J'avais mis laquelle? Ah, normal, je sais que tu vas te sauver avec. C'est pas vrai. Si, tu mais serais capable de faire une course de fauteuil roulant. Mais non, c'est oh, pas putain, vrai. Oh putain, une course de fauteuil roulant. Oh putain, ouais. Ah ouais, c'est pas bête. Putain, je donne des mauvaises idées. Oh, vas-y, jeudi, on va faire ça. Ouais. Ah mais non, mais toi, tu seras pas là. Non, mais c'est pas grave. Je vais savoir. Par contre, c'est normal que je me... En étant sur le côté... Non. C'est... Non, non, arrête de prendre du canon. Non, mais non, c'est grave. Non, mais non, je vais avoir le tourné, là, ça gigote. Non, je vais pas retourner. Attends. Sur le lit, s'il te plaît. Hop. Arrête. Arrête, arrête, arrête. Arrête. Bon, on va attendre Koumi. Non, je veux pas tu retourner. Tu peux rester assis, reste assis. Ah, nickel. Allez, je me casse. Ah. Putain, t'as mis la cale. Enlève la cale. Non. Enlève la cale. Non. S'il te plaît. Oh, fou, je me casse. Non, pas par là. Pas par là. Arrête. Arrête. Au secours. Home kidnap. Mais comme ça, ça tourne et tu bouges pas. Ouais, j'ai mal au cœur. Attention, elle va monter. Tu vas. Tu non, vas. Non, tu veux descendre. Que je meure. C'est ça que tu veux en fait. Aïe. Ouais, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Putain, papy. C'est ça que tu veux en fait. Arrête. Depuis le début. Tu veux que je meure, bizarre. C'est ça. Vous voulez tout ce que je meure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez tous que je meure? Bah je me cache. Enlève-moi la cale. Enlève la cale du fauteuil. Mais je sais même pas comment la met. Enlève la cale du fauteuil roulant. Vite, il arrive. C'est pas possible. Alors du coup, bah RAS, hein. Ouais, RAS. Et surtout les bleus, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'était juste un contrôle de routine, il s'est rien passé. Ouais, bien sûr, ouais. Ah non, du coup, j'ai j'aurais dû ramasser le skateboard. Du coup, j'ai pour... Non, quel skateboard? Non, je suis venu pour un contrôle de routine. Ça fait mal, là? Voilà, on est d'accord. Ouais, c'est mon accident d'il y a oula une heure. Qui fait encore un petit gain, c'est normal. Et là, l'épaule? Il est pas mal, il est pas mal. Il reste c'est... là. C'est une blessure de guerre. Là. Non, 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 je m'en vais. Tu vas aller sur le lit. Allez. Non, je vais pas sur le lit. Dépêche. Non, je te donne un calinox. Non. Une fois. Arrêtez de faire l'enfant, là, arrêtez. J'en ai marre d'être allongé. Je vais rester assis, s'il vous plaît. Pour le fauteuil. Aval. Non. Aval. Non. Aval. Non. Aval. Non. Monsieur Moriarty, allez. Aïe. Aval. D'accord. On est mort, toujours. Oh là. Oui, oui, oui. Maintenant, tu vas sur le lit. Non. Putain. Je me casse. Je me casse avec la chaise roulante. Bah, allez, mettez-vous sur le lit. Elle bouge pas. Putain, allez. Toujours pareil ici. Hey. Allez, arrêtez votre cinéma. On vous connaît maintenant. Cinéma, c'est toujours pareil ici. Avoir du flan. Qu'est-ce qu'on va faire de vous, hein? Mais ça, c'est pas moi, je suis venu pour un contrôle de routine. Hein, Mélinda, c'est vrai. Ouais. Ah, je vous voyais. Ouais, bien sûr, l'appel, c'était quelqu'un d'autre. C'est un flan. Ouais. Ah, Drew! Ça va, Drew? T'as vu, je me tiens un carreau, hein. Peut-être vous laisser tous les deux? Non, non, c'est pas la peine.
Mange ton flan. Ah oui, je mange mon flan. Tu... Oh merde. Oula, qu'est-ce que vous avez fait? Oh putain. Tu peux savoir ce que vous avez fait, Monsieur Marty? Oh putain. Monsieur Marty, qu'est-ce que vous avez avalé là? Ah, je sais pas ce qu'il a bu, mais Redonne-lui deux Kalinox, Kumi. Monsieur Marty, je peux savoir ce que vous avez avalé là, par contre? Normalement, il a mangé un flan. Ouais, mais là, c'est pas du flan à ce qu'il y en a avalé. Quoi? Redonne-lui deux ou trois Kalinox, il a dit, non. Kalinox plus 20, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Tant pis, c'est pas grave. Le vin il restera couché. Bon, allez, vous allez prendre un Kalinox et vous allez dormir. Hein. Il est bon, le vin des vignerons. Alors, buvez ça et reposez-vous. Andrew qui dit rien. Jackie, il est à l'hôpital. Hein? Oh ouais, t'es comme ça, toi. J'ai pas vu. Prends les Kalinox. Ouais, j'en ai pris. J'ai pas vu. Tu t'as vu. Non, c'est pas à moi que tu la feras. Aval. J'ai t'as vu. Aval. 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 Dépêche-toi. Je regarde. C'est pas Kalinox, ça. C'est Kalinox. Non, c'est pas Kalinox. C'est Kalinox. Putain, je voulais garder le Kalinox pour le donner à quelqu'un et... Et arrête pas de me regarder. Prends ton Kalinox. Putain, j'appelle la police, je demande qu'il garde en garde à vue. Quoi? Prends. C'est quand même plus d'alcool dans l'hôpital, hein. Allez. Mais t'es pas volontaire. T'es pas fait exprès. Attention, et laisse qui dit, j'appelle. Ah ouais. Bah gros, je un peu du Kalinox, j'ai bu du vin. Mais là, c'est bon, mais je viens de le prendre. T'es sûr? Bah oui. Ok. Attention. Putain, là, je vais rester comme ça pendant au moins une heure. Bah là, c'est sûr, hein. Ah, vous avez avalé plus alcool. Ah bah oui, attends, mais... y a ma sexy copine qui arrive. Ah putain. Elle va te réveiller. Quelle copine? Bah quelqu'un, une nouvelle. Ah bon, je vais vous la présenter. Ah oui. Bon. Qui? Et comment elle s'appelle? C'est Christine. Christine. Ouais. Ouais, bonjour ma chérie. Tiens moi. Oh putain, t'es moche. Ah bah bravo, c'est gentil. Elle a fait tout le chemin pour venir vous voir quand même. Ah, c'est sympa. Elle pas dû. Bah, je suis bien vous, moi. C'est gentil. Oh putain. T'es où? Il est mignon ton copain. Hein, qu'est-ce que tu... Il y avait un autre vieux dans le couloir quand je suis arrivé. Ah, il t'a vu, gros, apparemment. Fais gaffe, ils arrivent, cache-toi. Tu vas le chercher? Mais bon, je peux pas, je peux m'en aller. Bah non, vous êtes sous Kalinox, c'est plus alcool, donc non, vous restez là. Je vais partir, laissez-moi partir. Non. Si. Non. Ça te dirait que je te pécho? Allez là. Ta gueule. Bonjour, c'est Maclou. Oh, il est beau celui-là. Bah dis donc, elle a pas beaucoup de tontons, ta Christine. Mais quoi? C'est pas grave, ça. C'est des gants de toilette tout plein. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Non. Ah. Ouh là. Oh, que tu l'as pas de médecin. J'ai cogné la tête dans le mur. T'es plein. Oh putain, j'en ai marre. Ouais, tant que Kalinox il fasse plus effet. C'est bon, là il fait plus effet. Du coup, à chaque fois que tu viendrais à l'hôpital, eh ben, on appellera Christine. Pourquoi? Ah, pour qu'il vous rende visite. Mais non, j'en veux pas, elle. Ça vous remontera le moral avant d'être hospitalisé. Non. Je vais faire Lysandre. C'est qui elle? C'est ma sœur. Ah oui, c'est vrai, c'est ta sœur.
Bah bravo. Mais je l'ai pas vu beaucoup de fois, je l'ai vu 2 minutes. Allez-y les filles, je vais faire une grosse piqûre, partez. Non, toi okay. Tu me touches pas sinon je t'éclate. Tu me touches pas sinon je t'éclate. Non, la vie de ma mère, tu m'approches pas. La vie de ma mère, tu dégages. Tu dégages. Calme-toi, papy, je vais m'occuper non, de non, toi. Non, tu vas t'occuper de personne. Au secours. Au secours. Oh putain. Oh, c'est bon, t'es caché en dessous du lit, je m'en fous, je te vois pas. Vas-y, regarde, c'est un papy ici pour toi. Dégage, putain, je te jure, je vais t'éclater. Tiens. Petit con, hein. C'est pas moi, je suis assis. C'est pas comme ça que tu me sauteras, hein. Et personne va te sauter ici, hein. T'es dégueulasse. Oh, putain, on dirait une serpillère. Oh là là, je ferme les yeux, t'es dégueulasse. Oh putain, vas-y, c'est quoi, j'ai... Même si je suis c'est rien contre toi, ma chérie. Je suis sous l'effet du Kalinox, je me casse. Hein. Laisse-toi faire, je vais te faire une grosse piqûre. Dégage. Dégage. Me touche pas. Me touche pas, va-t'en. Va-t'en, putain. T'es coincé, de toute façon, t'es avec moi. Non, non. Laisse-toi non. faire. Baisse non. ton pantalon. Non, me touche pas, va-t'en. Baisse ton pantalon. Non, va-t'en, dégage. Va-t'en. Je vais m'occuper de toi. Va-t'en. Je vais m'occuper de toi. Non, va-t'en. Parce que... Aïe. Voilà, je vais m'occuper de toi maintenant, mon bichon. Au secours. Au secours. Vite, on s'en va. Mais viens là, je suis disponible. Au secours. Au secours. Putain, c'est où la sortie? C'est fermé. Putain, c'est fermé. Me touche viens, pas, laisse-toi faire. Vite. Ah, c'est fermé. La maison du Seigneur, tu peux rien faire. La maison du Seigneur, t'as pas le droit de me toucher. C'est vrai. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Cette grosse salope derrière, elle essaye de me niquer. Je suis désolé. Dis donc, t'es moi ou t'as un visage? Viens voir, ma chérie. Au secours. Au secours. Voilà, je prends l'ascenseur. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Au secours. Attends, tiens. Au secours. Oui. Parlez. Ah, viens, désaltère-toi. Merci. Viens, je vais te montrer mon chandelier. Dégage, me touche pas. Me touche pas. T'as son commis. Me okay. touche pas. Arrête. Oh merde. Aïe. Attends, okay. Christine. Christine, attends. Attends. Arrête, Christine. Arrête. Aïe. Ah. Let's go. Wesh.
Allô? Tu vas bien, monsieur Moriarty? Non, ça va pas. Allô, qui me parle? Je vous entends pas. Qui me parle? C'est le capitaine, tout va bien? Non. Je sais pas, j'ai vu votre tweet un peu particulier il y a à peu près 3 secondes. Vous êtes de me violer? Qui? C'est pas une vieille fossile toute dégueulasse. Une vieille fossile toute dégueulasse? Elle est dégueulasse, elle s'appelle. Comment elle se dit ça? Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai un problème, monsieur le capitaine. Monsieur Moriarty, si vous appelez des prostituées, faut assumer derrière. Non, hein, monsieur l'hôpital, c'est pas pareil. Donc vous êtes en train. C'est un personnel soignant, monsieur Moriarty? Non, c'est pas un personnel soignant, il. C'est pas qui c'est, elle est bizarre. Elle est fou, elle est toujours à l'hôpital depuis tout à l'heure? Non, c'est. Un autre accident. Monsieur Moriarty, si un jour je viens, je vous mets mes notes et je vous enchaîne à votre grille, vous comprendrez pourquoi. Mais là, j'ai un problème, on tente de me violer, monsieur le capitaine. Et elle qui tente de vous violer? Je sais pas comment elle s'appelle, elle est arrivée, elle était toute dégueulasse, toute fripée, je vous jure. Putain, mais vous me ferez tout, hein. Vous êtes sûr? Vous êtes sous K-Nox, monsieur Moriarty? Non. Vous êtes sûr? Il vous a rien donné, médecin? T'es obligé de répondre à cette question? Oui. Peut-être. Ok, donc vous êtes sous K-Nox, monsieur Moriarty? Non, c'est pas vrai. Je pense que vous avez pris une dose peut-être un peu plus dosée que d'habitude et vous avez un peu du mal à l'instant T. Je sais pas où je suis, monsieur le capitaine, je suis caché. Ils me trouveront plus. Je me suis perdu dans l'hôpital. Et vous, est-ce que vous pourrez ressortir et savoir où vous êtes? Ouais, je suis dans l'hôpital. Mais il est grand, il y a plusieurs étages en plus. Ah bon? Ah oui. Oh, je vois un éléphant rose. Ok, alors monsieur Moriarty, je vous souhaite bon courage le temps que le Kainot redescende. Je suis enfermé dans une salle. C'est pour votre bien, monsieur Moriarty, je pense. Au secours, hein. Je souhaite plein de courage à monsieur Moriarty. Monsieur le capitaine, ne m'abandonnez pas. Soyez fort, monsieur Moriarty. Ne m'abandonnez pas, monsieur le capitaine. S'il vous plaît. Monsieur Moriarty, vous êtes sous Kainot, ça, c'est tout. Ah, d'accord. Aimez-vous, ça va bien se passer, d'accord? Oui. Allez, bonne soirée, monsieur Moriarty. Évitez les accidents, 3 dans la même soirée, ça fait beaucoup quand même. Oui. Évitez Kainot, hein, monsieur. Putain, y'a plus personne. La cocaïne, je sais pas. Je suis enfermé dans l'hôpital, y'a plus personne. Ah, ça c'est dommage. Mais je peux rien y faire, j'ai pas les clés de l'hôpital. Moi non plus. C'est dommage. Ah putain, les enculés, ils sont tous partis. Bon, ah, c'est pas que les médicaments, enfin c'est fait, hein. Soyez fort. Je raccroche. Ouais, pas de soucis, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ah bah vous êtes là. Ah bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps. Tu dirais 5 minutes, mais ok. Oh non, ça fait au moins 3 jours. Oula, si vous le dites. C'est bon, je peux partir. Vous êtes plus sous Kalinax? Non, c'est bon. C'est bon? Oui. Allez, suivez-moi. Et pourquoi je me suis réveillé? J'étais à l'autre bout de l'hôpital. Bah ça, j'en sais rien. Quand vous laissez le sub sur le lit, si vous avez fait des balades, après, c'est votre responsabilité, hein. Vous êtes où, hein? Par ici. Quelqu'un veut vous chercher ou vous allez rentrer à pied? Il y avait Morty, je sais pas où il est. Ah bah il est parti faire un tour dans la voiture de d'Andrew. Ah bah super, bah tant pis alors. C'est pas grave, je vais partir tout seul. Vous êtes sûr? Ouais. J'ai pas appelé un taxi? Non, c'est pas grave. Bon, faites attention, faites en sorte qu'on vienne vous chercher. Ouais, hein. Au revoir. Au revoir. On va quitter. Supprimer le cache. C'est la guerre. Yes.
Bon, je pense que ce soir, ça va être vite réglé. On va passer sur Assassin's Creed après. Oh, j'ai chaud, putain. Ah putain. When you coming home? Mal de Scott. Si, c'est censé marcher, mais après peut-être qu'il est pas en service, hein. T'envoies un mail dans mail RP sur le Discord, mais c'est pour faire quoi?
5 000 $ minimum pour avoir un compte. T'as les frais de dossier. Ah, attends. Ça coûte quoi, toi ? On verra plus tard. Activer le GPS. Bah, appuie sur F10. Ouais, mais. J'appuie sur F10, en fait, ça le cache. Oh putain, j'ai failli remourir encore. Hein? C'est bon, pourquoi? Qui c'est qui t'a dit ça? Essayez de mourir. Ah bah c'est parce que je suis au moins une fois à l'hôpital chaque soir en fait. Voilà, aujourd'hui ça a été deux fois mais... Ah ouais d'accord. Bah ok, bah je sais pas où il va mais... Alors après c'est... Mais gros, à chaque fois que je tourne, tu reviens quoi. En plus, tu pars, tu me parles même pas quoi. Connard, bah. Bah, normal, j'ai pas parlé. Mais t'accélères, il va me poursuivre. Oh le bordel dans l'hôpital. Ah. Tu m'as éclaté, bâtard. Tiens. Tu voyais ton côté. Oh. Ah, je vais encore mourir, ils vont encore joindre l'hôpital. Le streamer que Rémi il a parlé, il arrive ce soir, il est 23h, on est 14. Bah, pas beaucoup. Attends, attends, je veux tester, attends, vas-y. Je veux tester d'arriver à toute blinde. Vas-y, 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 vas-y. Salut, je rentre dans la voiture. TV Kalel. Ouais, t'as un problème de portière, frère. Ouais, c'est pas moi, je vous jure.
Bah, je sais pas si c'est un gros streamer, mais il a 4000 follow, tu vois, mais... déjà pas mal, après. 4000. Bah, let's go, hein. On y va avec le camion groupé sèche. Ça fera plus pro. Bah si, je l'ai. Il était planté dans la grille. Ouais, il est en galère pour rejoindre le serveur ou c'est moi? Ça met 20 ans son chargement. Ah non, c'est bon. Aïe. C'est pas grave. Aïe. Bonjour monsieur. Non, on a que le S. Bah monte devant. Non, y a pas de voiture, on a que ça. Mais c'est pas grave, elle est très bien celle-là. C'est pas ma faute. C'est bizarre, il y avait une portière là, il y a 2 minutes. Allez, vas-y, monte. Du coup, tu boites là? Mais on s'en fout. On s'en branle. Je m'en bats les couilles, les keufs ils lui mettent quand ils passent les feux rouges. On va faire pareil. Juste vérifier qu'il n'y en a pas derrière nous. Ah, c'était lui. C'était lui. Ah ouais, bah il a téléchargé les trucs de 5M. Femme de l'île, lila. On passe ou on passe pas? On passe apparemment. Roule bien, que tu parles. Ah ouais? C'est à fait encore. Bonjour, groupe échange à votre service. Tu parles, hein, parce que c'est toi qui as prévu le truc. J'ai envoyé un message. Vas-y, envoie un message. Hey, t'as vu mon beau sac? Ouais, t'as vu le mien? Ça représente les sociétés. Playboy. Aïe. Tu danses, Playboy. Playboy, yeah, tu danses. Onis, demande d'aide. Demande d'aide. Il fait la même coupe de cheveux que Mika, putain. J'ai mis besoin de voir un haut gradé. Oui, ça passe.
J'avais oublié qu'il y avait les appels directs. Allô ? Ah, on souhaite prendre rendez-vous avec quelqu'un. Pour, c'est qui ? Au sujet de la banque et la LSPT. C'est qui ? Au sujet d'assurance. C'est qui ? D'accord. Qui ? Oh, il y a un bus. Ok. Bah, au pire, on va mettre un... On va lui envoyer un mail. Alors ça, si c'est pas du con... C'est du con, mais... Ah putain, c'est pas lui. Putain, mais quoi? Mais il est là, au moins. Pour ça, je dis, je vais l'appeler. Faut mieux de rentrer dans la voiture, par contre. Mais tu es trompé de voiture. On va partir. J'ai vraiment des soucis. On va partir, hein, par contre. Ils répondent pas. Putain, y'a personne. Bon, on va envoyer des mails, hein. C'est très plus tard. On fait quoi, du coup? Bah, on rentre. Je sais pas, hein, qu'est-ce qui peut gérer les assurances à part la SPD et les mécanos? Les EMS? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Ah, tiens, bah si, on va leur dire. Bah enfin, non, on marche comment? Ils vont dire, je vous vois encore ce soir. Non, mais pour les assurances sociétés, on fait comment? Enfin, tu sais, les véhicules de société. Je sais pas. Vas-y, viens, on va les voir. Eh, y'a pas une tenue de groupe. Pas une tenue de groupe 6. Si, il doit y en avoir une, mais... Je... Vas-y, on vient, on va en faire une. Allez. Conserve un peu la critique. Ah, vas-y, mais Diren. Ouais. Ouais. Nique vous la désirène. On va se rééclater, gros. C'est une urgence. Urgence banque. Non, 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 on va éviter. En fait. Hé, hey, descends. J'enlève le sac. Ouais, je pense aussi. On met ça. Non, ça doit être un torse. Ça, c'est pour Kumi, ça. Des burgers, de la salade, des tacos. Un truc. Quoi ? C'est ton t-shirt, ça, gros. Ah putain. T-shirt marqué blagueur dessus.
Ça doit être au même endroit que les t-shirts LSPD et tout. Mais non. Oh, vas-y. Bon bah... Du coup, je présume qu'il faut encore aller jarter son truc. Je le supprime ou faut que je le supprime? Bien sûr qu'il y a quelque chose. Ça marche pas le search skin. C'est une queue de truc shérif. Sert, mais y a pas, je vais être sèche. C'est le skin de base qu'il a là. Vous êtes des banquiers avant tout, ouais, on cherche des. Le type tenue sympatoche qu'on peut prendre. Merde. Mais j'avoue que c'est pas trop ce qu'on... US bord, je sais pas quoi là. Pas troll, mais fesses. Plain country. Du coup, il garde le skin qu'il a. This
Bon, elles sont bœufs, moi je repartirai comme ça. Ah, t'es moche comme ça, putain. Bon, quoi ? Ouais, bah c'est bien. Bah, moi le costard blanc, c'est bien. Bah, c'est quoi ton preset, toi, là ? Ouais. Pire, tu veux screen, tu me l'envoies, comme ça on se mettra pareil. Ouais, oh, six, zéro. Je suis énormément loin, je suis dans les 200. Ouais, deux secondes, je suis dans les 200, gros. Ouais. Jambes combien t'as dit? Bras 37. T'as des gants? Okay. Jambes 22 t'as dit? Ah. Et les chaussures? Yes. C'est comme ça? Yes. Comment tu marches? La voiture elle est de l'autre côté, hein. Oh, merde, allez. Y'a pas de frein. Non, y'a que ça. Bah, c'est une voiture. C'est comme les flics. Non, fais pas ça, je vais me retrouver encore à l'hôpital. Arrête, je vais me retrouver à l'hôpital encore. Gamine, va. Quel bâtard. Ah.
Oh, j'ai éclaté la vitre. Ouais, vas-y, moi je te suis, j'ai pas ma voiture. Bouge. Hein? Bah autant prendre le SUV, tu conduis. Bon. T'as le mec. Allez, on se balade en ville là. Quand on arrive en ville. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. La Béné qui est toujours en train de mettre des pesticides. Yes, bonne nuit Ingrid. Je suis désolé, j'avais dit qu'on ferait du Assassin's Creed et finalement on est allé sur du RP, mais on en fera un autre jour dans la semaine. Ouais, ouais, c'est à vie. Chaud pour aller vendre un peu là. Bah, étant donné que Bene il arrive à mettre des pesticides, je pense que d'y avoir assez de fric pour vendre. T'es chaud? Allez. Ouais. Ah oui, logique. J'envoie des messages. J'ai qui d'envoyer des messages en même temps que de conduire. C'est pas moi, t'as rien vu. C'est l'hélicoptère là.
Vas-y, je te dépose là quand ça te sort le véhicule. Eh oh. Moi je sais pas, tu étais en galère là. Bah sors le véhicule au pire, je conduis. Mais non, on connaît. Tu dors ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi il dit ? Non, le flic dans pas longtemps, il va avoir du travail. Oh putain. Comme on a plus de sang, gros. Le tracé que j'ai fait. Pour l'arranger. Il y a quelqu'un en bas, gros. Oh, tu m'as fait peur, bordel. Et toi aussi. Putain, t'es un malaise. Bon, t'as bien travaillé, c'est bien. Ouais. Vas-y, viens. Alors, attends. Bon, les 33 fleurs de weed, là, faut plus les prendre, là, c'est au cas où si on a besoin d'en vendre. Ok, ok, ok. Bon, il y en a, il y a 104 pochons. Qu'est-ce qu'on fait? On tente de tout vendre ce soir? Ça va être chaud. On se partage en 3. On fait des paquets de vin au pire. Ouais, on prend tous les 3 un paquet de vin. Hein? Prends un paquet de vin, putain. De quoi? De weed? C'est good. Oui, de pochons de weed. Putain. C'est bon. Je vais les fumer. Non. D'accord, je vais les fumer. Va mettre ta tenue. Oh putain. Ouais, il me casse déjà les couilles. Bon, t'as ta moto, toi, non? Oui. Peut-être que. On vend de. Aux trois villes. C'est genre un Paletto, un Sandichard, un en ville. Je vais prendre Paletto, j'aime bien Paletto. Yes, ce qu'on va faire, c'est que tu vas m'emmener à Paletto aussi, parce que comme ça, tu vas prendre une location de moto. Ok. Et. Attends, on va activer la radio. Ouais. Je dirais à Marty. Marty, active ta radio. Ta radio. Deux. Attrapez l'avion. Attends, vous l'avion. Oh là là. Non, tu fais pas l'avion. Tu fais pas l'avion. Mais non. Ok. Bah, normalement, il doit nous rejoindre là. Bah, non, vu qu'il rejoint pas le vocal.
Partez, putain, qu'est-ce que tu fous? Mais... quoi, ta gueule? Bah, du coup, Bene, il m'emmène jusqu'à Paleto avec lui pour pouvoir prendre une location de moto. Et toi, tu vas vendre en ville. Quoi? Mais non, c'est sa moto. Ouais. Ok, bon, attends, nouveau plan, descends de la moto, rends la moto. Nouveau plan, on monte tous les deux à Saint-Bichard avec la Kuruma. Oh non, j'espère que tu as pas éclaté sa moto. Arrête! Putain, gros, on a la 8 sur nous. Arrête de faire tes bêtises là. Arrête! Putain, t'es ch... Arrête tes conneries! Bon, allez, tant pis. Allez, monte dans le contender, Bene. Gros, t'es ch... Non, contender, c'est trop vaillant. Non, je l'ai filé à je sais plus qui. T'es commencé à avoir quoi? Non, bah non. Justement, mais que, tu vas où? Je te dis que... Viens. Vérifie si c'est fermé. Yes, je vais aller voir. Yes, c'est fermé. Cimer, Aro. Ah ouais, j'ai racheté une moto. De quoi c'est quand t'es payé? Bah, quand tout le monde aura une moto et un flingue, on pourra commencer à prendre de la... à convertir l'argent propre, l'argent sale en argent propre. En attendant, on peut pas se le permettre. Bah ouais, prends la Kuruma. On va aller louer des motos à Paleto et on redescend dans le sud. Vas-y, va vendre à Paleto, toi. Ah bah c'est ma Blista. Bah du coup j'ai retrouvé ma voiture. Oh non, mais t'es pas sérieux. Mais toi tu la fermes même pas, putain. Éclate pas, l'éclate. Oh putain. Attends, tu t'es tombé? Oh, j'ai une peur. Hein. On peut pas faire de cœur sur ce putain de... Alt 3. Ça marche pas. Ouais, mais il veut pas se mettre dessus. Bon, c'est pas grave, je marque j'ai retrouvé je t'aime sur Twitter. Non mais c'est bon, on s'en fout, avant que les flics déco, gros. Moi aussi, ta gueule toi. Oh non mais t'es dangereux. T'es un homme dangereux. Oh y'a 10 feuilles.
Non mais roule. Oh putain, mon dieu. Oh non, mais t'es un danger public. T'es un danger public. Oh mais gros. Pourquoi? Oh non. Oh, on n'est pas dans la merde alors. Fais gaffe aux arbres. Ralentis, ralentis, ralentis. Attention, une roue devant l'autre. Aïe. Miséricorde, s'il vous plaît, faites en sorte que je survive. T'es un homme dangereux, toi, putain. À ce qu'on arrive, il y aura déjà des coups. J'espère qu'ils sont en formation. Oh non, man. Mais quoi? Mais non. Ouais, bah. On a fait 6 km. La voiture, elle est morte. Il y a plus de capot. Elle fume. Ah putain, vas-y, tu me saoules. Ouais, tu me descends. C'est pas grave. Ouais. Allez, let's go. Bisous. Je vais en ville, moi. Je vais reprendre par le... Mais toi, tu vas pas à Ronville, toi. Tu vas à Sandy Shore. Mais on va... Bah oui, mais si t'écoutais ce que je disais... Mais faut pas aller au même endroit tous les trois, sinon les flics, ils vont directement... Moi, je vais en ville. Bene, ils vont à Paleto, et moi, je vais... Et toi, tu vas à Sandy Shore. Parce qu'il fallait quelqu'un qui... Ah sinon, si tu croises vraiment personne, tu redescends en ville. Mais t'as déjà vendu là? Oh le mec, il a pas le temps. Moi je peux aller dans le sud après. Ouais, je vais au feeling, moi je vends au fil des ventes. Je bouge en fonction de la vente. Ouais, ok, vas-y. Moi, je vais vendre au niveau du Comico. Dans le Comico, je vais vendre aux marchands d'armes. Je sais pas si c'est un PNJ ou pas et... Ouais, moi aussi. Par contre, apparemment, ils ont désactivé les braquages au-dessus de la ville. Au-dessus de Sandy Shore. Ouais, pour éviter que... Bah, trop loin, parce qu'il n'y a pas de BCSO, donc trop loin pour eux. Du coup, les prochains braquages, faudra tous les faire en dessous de Sandy Shore. Ouais.
Donc, et je pense que on peut s'en préparer un pour bientôt encore. Mais refaire comme on a fait là, c'est-à-dire pas faire le braquage sur un coup de tête, genre vraiment faire le braquage, le préparer. Là, on a mis 3 jours pour le préparer, c'est pas mal. C'est que des braquages de supérettes. Donc, hop là. Là, par contre, ton micro, gros, il est énormément fort. Ouais, ça a l'air. Je vais regarder si c'est pas moi qui ai augmenté le son. T'es planté ? Bah, c'est des véhicules tout-terrain. Les Sanchez, c'est des véhicules tout-terrain. On méfie ça. Ah ? Bah, tout-terrain jusqu'à ce qu'elle cède. Oh non. Bon bah, aboard the mission, il manque un keuf. T'as réussi à vendre quand même, toi? Oh. Oh non, mais... C'est clair. Ouais. Bon, écoute, moi je vais aller... Je range la coque, je range la weed et... Je vais me balader en moto dans la ville. Je vais faire mon gueudin. Je vais rouler comme un malade. Je vais me refaire shooter. Et je vais retourner à l'hôpital. Puis Andrew il va encore péter un pont. T'es déjà arrivé? Sympa ta moto toute verte là. Moi t'as vu, j'ai des trucs militaires. Ah, fait chier. Ah ouais, cool. Ah, faut que j'achète une carte SIM pour l'illégal. Non, mais je vais aller m'en acheter une. Ah, vas-y, donne. Attends. Parce que là, la 1579, là, je la jette. Bah, du coup, faut que je m'en rachète une autre. Il m'en faut une pour le privé. Là, j'en ai deux, il m'en faut une autre. Allez. On va s'acheter un. On va au magasin de ringue. J'ai pas fermé, gros, tu pourras fermer. Par contre, j'ai pas fermé le sous-sol, hein, vu qu'on est sorti du sous-sol. Yes, nickel. Au magasin Drindring pour m'acheter une autre carte SIM parce que j'en ai que deux. Yes. Ouais, non. Bon, c'est notre tenue de motocross. Ils nous ont souvent vu avec la tenue là, donc. Ah ouais? Ouais. Mais ils l'ont peut-être, hein. Y a pas de flic moldieu qui se balade en ville. Hein? T'as des problèmes à la tête, hein. Ouais. Oh putain, je suis blessé de ouf.
Tant que j'entends derrière moi. Ah, y'a un mec. Ah bah. Bah alors, on a. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Écoutons pas ce qu'il dit, lui. Bonjour. J'ai pas activé mon sonotone. Hein ? On essaie de communiquer avec moi. Attends, je vais faire le langage des signes. Tu m'entends ? Mais est-ce que vous allez bien ? J'ai du mal à vous comprendre. Tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Oui. Oh là là, c'est compliqué la jeunesse. Bon. J'ai perdu mes lunettes. Ah bah, tu cherches tes lunettes. Comment tu vas, mon petit père ? Oh putain, on va devoir recommencer encore. Langage des signes, c'est ça ? T'as des problèmes, toi, hein ? Ah non, moi j'ai aucun problème, je crois que c'est vous qui avez des problèmes d'élocution. Non, moi j'ai pas de problème, moi. Ah, moi non plus j'ai pas de problème. Hein. Là, je vous entends bien, continuez comme ça, c'est très bien. Ouais, mais je crois que vous avez quelques soucis, non ? Ah bon, pourquoi ? Bah, je sais pas, vous avez l'air un peu amoché. Ah non, ça c'est normal, t'inquiète, c'est la vieillesse. Vous venez d'où comme ça ? Là, j'ai fait une partie de motocross avec Morty. Hein, Morty ? Hein ? Oui, on a fait de la motocross. Ouais, motocross. Un motocross. Vous avez le permis, j'espère ? Ah bah, heureusement qu'on a le permis, ils ont même voulu me l'enlever, ces enculés, piou-piou. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-moi. Ouais, bah, je me suis planté en moto, ça me faisait trois fois en moins de trois jours, et du coup, ils ont voulu me l'enlever. Trois fois en moins de trois jours, vous êtes sûr que vous avez le permis, hein ? Ah bah ouais, mais c'est pas ma faute, ces gens enculés d'Américains de mes couilles, là, qui arrêtaient pas de me taper tout le temps. Des fois, ils arrivent, ils me regardent, ils font « Ah, c'est Moriarty !» Ils font « Moi, non, c'est qui Moriarty ?»« Ah oui, c'est moi, Moriarty !» Voilà. Dis-nous, t'as pas ? D'accord, je vois. Et votre collègue, là, il est pas très bavard ? Mon collègue, là, police. C'est... Oh là là, il casse ses couilles avec l'Angiro, ce connard. Je crois qu'il vous cherche, hein ? Ah bon, pourquoi il me chercherait ? Bah, je sais pas, vous faites beaucoup de bêtises apparemment. Moi je fais des bêtises, non, on fait pas de bêtises, non. Bah, vous avez fait quand même trois bêtises avec la moto, hein. T'entends personne. Hein, t'entends personne ? Je vous demande pardon ? T'as activé ton sonotone, Morty. Ah ouais ? Ah bon ? Ah, mais c'est normal. Hé, Morty, tu m'entends ? Morty ! Bah ouais, t'entends, t'es con ! Ah, bah non, bah c'est bon. Ah, putain. Mais j'attends que toi. Ah ben, tu n'entends pas le monsieur Touchov. C'est normal, là, il parle plus. Qu'est-ce qui lui arrive pour... Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, tu vois, tu l'entends. Bah ouais. Au début, je pensais que tu parlais tout seul. Ah bah non, quand même, hein, tu le vois pas, le monsieur, là, devant moi. Ah si, bah, si, je le vois très bien. C'est un fantôme. Oh. C'est un fantôme. C'est le fantôme de Gertrude. Quoi? Bah ben non, Gertrude, c'est une femme, je ressemble à un mec. T'es un mec. Elle était vous parlez de qui? Vous parlez de moi, là? Bah ben non, on parle du pape. Bien sûr qu'on parle de toi. Faites attention, hein. Ah ben, pourquoi? Vous savez pas à qui vous adressez, là. Bah ben, oui. Je parle à qui, alors? Avec ben, faites très attention. Dernier, tu crois que tu me fais peur? Bah ben, c'est les dernières Louis Vuitton, ça vous pose un problème? Vas-y, sur ton dentier. Attention, ouais. Je vais te faire mordre mon dentier, tu vas voir. Vous êtes des frères, c'est ça? Ouais. Vous êtes des frères ? Ah non, pas du tout. Ah, pourtant, on dirait vraiment que vous êtes des frères, c'est incroyable. Ah non, on s'est rencontrés à la guerre. D'accord, ok. Ah, c'est pour ça que vous êtes amoché comme ça au visage ? Hein ? Mais je suis pas amoché au visage. Ah, c'est votre visage naturel ? Oh putain, je vais l'éclater. Morty, retiens-moi, sinon je vais l'éclater. Ah, ah, ça va aller, ça va aller. Ça... Ah. Oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon petit père ? Par contre, t'avances pas de moi, sinon je vais vraiment t'éclater. Tu fais quoi dans la vie ? Ah, des bonbons. Ah, putain. T'es des soucoupes. On s'en bat les couilles de tes soucoupes de merde. Ah, non, non. Eh, oh, tu parles plus. Ah, moi, j'entends pas, moi. Bah, moi non plus, je l'entends plus. Je crois qu'il boude, regarde. Il est en train de bouder. Faut pas bouder. Faut pas bouder. Ouais. Arrête de bouder. Bonjour. Oh là là, j'ai dit Louis Vuitton, du coup, je suis supérieur. Putain, j'ai envie de le claquer, la vie de ma mère. Ah, j'aime bien les avocats, c'est bon. Les avocats? Ouais. On est banquier, ça te voit pas?
Ouais. Bah non. Tu l'entends, toi? Ah bon? Bah je sais pas, on faisait de la moto. Ah non, on n'est pas dans la banque, là. Attends, mais je l'entends pas, moi. Ouais. The fuck? Là, je l'entends bah, pas. Avec des vêtements. Gros, je l'entends pas. Bah ouais. Comment ça? Eh, si. Venez clinquer, moi je te jure, venez clinquer. Elle nous insulte là. Qu'est-ce qu'il dit? Elle dit qu'on était mou du cerveau. Bon. Morté. Bah, j'entends pas, putain. Mais t'es Jackie. Voilà. C'est qui, Broco? Mais c'est qui? C'est qui? Ma Broco! Bah, je crois bien parce que j'ai pas compris. Moi, j'ai. En train de parler une game là? Et vous appelez comment vous? Quoi, je l'entends pas? Marc, comment? Comme les pichons de vin! Ah non, c'est pas ça. T'es en quelle couleur toi au niveau du micro en haut à droite? Ah! Et vous travaillez où? Attends, faut que j'aille faire pipi. Je déconne. Aïe, 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 aïe. Putain. Le mec qui bug, ça fait pareil avec Respeak. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, donc... d'un moment, monsieur, va falloir faire un effort. Hein. Parce que là, apparemment, j'ai un micro de merde. Donc, je sais pas. Pour son live, ils ont dit comme quoi j'avais un micro de merde, donc... je sais pas. Mais en fait, je vois là sur son truc qu'il a... Il a le micro en orange. Et... Mais tu sais, le micro à droite, c'est logo orange. Il devrait pas avoir le logo orange. Ça, ça casse les couilles, quoi. On va vendre la weed et il y a plus de flics, quoi. Ça casse les couilles, hein. Franchement... À chaque fois qu'on veut faire de la drogue, à chaque fois, il y a un keuf qui se barre au même moment. Franchement, c'est pète couille, quoi. Pète couille. On en vend un et... Et tous les keufs se barrent. Quoi. Vas-y, ça me rend ouf. Ouais, mais 4, c'est que dalle, gros. Sur 80. S'il te plaît. Bon, j'espère que je vais l'entendre cette fois, le mec. Ah bah ils sont plus là. Wesh, ils sont où? Ouais, ils sont là. Ouais, ouais. Hé hey, Jackie, ça va Jackie? Ça va et toi Marty? Ça va et toi Jackie? Ça va et toi Marty? Ça va et toi Jackie? Ça va Jackie beau gosse hein? Ça va et toi Jackie? Ça va et toi Marty? Ça va et toi Jackie? Ça va et toi Marty? Ça va et toi, Jackie? Moi, ça va et toi, Morty? Moi, ça va. Ah, bah, si toi, ça va, moi, ça va. Et toi, Morty? Ah, bah, ça va et toi, Jackie? Ah, bah, ça va et toi, Morty? Ça va. Ah, bah, si toi, ça va, moi, ça va. Il m'a tapé, comme on dit. Ouais, bah, ouais. Vache comme dit les jeunes. Ah, ouais, tout à fait. Et je te présente Marc. C'est qui, Marc? C'est lui.
Bonjour, c'est moi, Marc. Bonjour, bonjour Marc. Enchanté de faire ta connaissance. Moi, c'est Marty. Salut. Salut. Motep. Oui, Motep. Tu fais quoi dans la vie, toi, Marc? Mais je vous ai déjà tout raconté 6 fois de suite, au moins. Mais ouais, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, messieurs. Mais on se connaît déjà. Ah bon, oui, bah oui, on se connaît depuis au moins... Pouf, ça fait peut-être 5 minutes. Ouais, 5 ans. Ça fait long. Ça passe vite, hein, le temps. Ça fait 5 ans qu'on se connaît. Vous avez fait la guerre avec minute, nous. Minute. Ah, 5 minutes. Oh là là. Ça fait combien de minutes qu'on en... Oh, 5 minutes. Ouais, ça fait au moins 3 ans. Ah ouais. Ah ouais. J'étais pas né. Moi non plus. Comme les poissons. Comme les poissons rouges, c'est ça, hein, ça c'est la mémoire, ça. Ouais. Ça ouais. C'est une particularité que vous avez aussi, hein, c'est... Ah bon. Oh, poisson rouge. On est spécial. Ah. Oh là là. C'est pour ça que ne changez pas, hein, messieurs, ne changez comme pas. Comme disent les jeunes, voilà. Attends, je vais boire. Oui, voilà. Valin, tu connais toi, Valin? Oui, oui, bien sûr. Tu sais, là, les jeunes, ils n'arrêtent pas de le dire en ce moment, là, avec un W, là, qui commence, mais je comprends pas, parce qu'on dit bien un wagon, donc pourquoi ils disent voilà, je comprends pas. Du coup, c'est voilà. Comment ça, voilà, voilà quoi? Non, voilà du boudin. Ouais. Hé, Marty, t'as pas un burger à donner ou un sneakers? Est-ce que t'as un sneakers dans ta bouche, oui ou non? Non. Ah, putain. Attends, j'arrive. Je vais chercher. Est-ce que j'étais les restos du cœur, toi? On va acheter des trucs. Ta gueule. Putain. Oh, je suis à moins 100$, sa mère. Putain, je suis à moins 100$, putain. Et toi? On va parler au mec en bas. J'ai envie de leur parler, t'es timide. Yo, Mowgli, comment vas-tu? Non, ça c'est pas ce que je veux acheter. Putain, je sais plus où c'est. Ah, c'est là. Un peu d'eau pour mettre. Vous n'avez pas assez d'argent. Imhotep. Oh là là. Putain, ils sont où encore? Putain, mais ils sont où encore, la vie de ma mère? Ah, le chauve, il est là, mais Morty, il est où? Putain, il est passé où, l'autre con? Papy. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Ah bon? T'as combien de cartes Steam? Ouais, mais elle est dans ton inventaire ou... F5 inventaire. Elle est là, elle est dedans ou elle est pas dedans? T'as la thune sur toi? Vas-y, file-la-moi. File-moi 200. Tiens, va parler au monsieur derrière. Ouais, moi ça marche. Tiens, attends, je te la file. Hop. Action impossible, dépassement de la limite d'inventaire pour l'autre. Bah écoute, je sais pas. Bah je te la donnerai tout à l'heure, on regardera tout à l'heure au pire. Qu'est-ce que t'as? Oh merde. Ah putain, mais. C'est pas le bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Saute, Marty, t'as un chewing-gum. Qu'est-ce que t'es fou? Qu'est-ce que t'es fou, putain? Bon, pourquoi tu m'appelles? Bah, je sais pas, tu voulais, je sais pas. Mais non, mais c'est l'autre là-bas, on entend. Oh là, pourquoi il marche comme. Pourquoi il marche comme une pute? Qui? Bah, lui là. Et qui d'ailleurs? Bah, je sais pas, c'est Marc, je sais pas. C'est faire... Marc Dutroux. Marc Dutroux? Et pas. Bah, en marchant comme ça, il va s'en faire un gros, Dutroux, c'est moi qui te le dis. Oula. Ouais. Oulala. Ouais. J'ai pas envie d'être là, Hermie. Moi non plus. Moi non plus. Bah, qu'est-ce qu'il faut?
Putain, tout à l'heure je suis tombé en moto, ça me casse les couilles. Ouais. Les Balafuente sont grands, c'est horrible. Oh putain, c'est quoi ça? C'est la réunion du samedi soir. Ah, il a pété. Les PT, piou piou piou. Non mais. C'est qui lui? Les PD, piou piou piou, piou 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 piou. Ah bah tiens. Il est fini. Il s'en va. Au revoir. Adieu. Adieu. Aïe 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 aïe. Aïe aïe. Putain. T'en glisse. Putain, fais chier. Ah merde, on était pas garé là. On est garé où? Là-bas. Ah, c'est là-bas. C'est la mienne, t'es là. Ok, parfait. Ouais, c'est venu. Yes. Ouais, je regarderai ça. En bas. Ouf. T'es malade toi. Tiens. Toi arrête. Y'a pas de casque. Qui c'est qu'il y a pas de casque? Y'a pas de casque, putain. Mon casque. Mets mon casque. Ah bah j'ai abîmé ma voiture. Sérieux? Ils savent pas que c'est une moto. T'as un keuf, gros. Tu m'as retourné, gros, j'ai fait un salto arrière. Aïe, 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 aïe. Un secours. Un secours. Tiens. Ah putain, attendez, faut que je réussisse à me relever. Un plein, voilà. Ah putain. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur? Mais c'est Rémi, ça? Je m'entends pas, je crois. Vous m'entendez? Oh putain, encore un débile. Allez, mani, manana, matama. Oh putain. Ok. Pourquoi je l'entends pas, putain? T'es à côté de moi, toi, Bene? Il est où, Auron? Je t'entends pas. Mais what the fuck, pourquoi tu m'entends pas? Attends, je décoroco une énième fois, ça me casse les couilles. Oh regarde, il y a des erreurs. Use item. Ouais. J'ai prévenu le médecin. Non. Fallait pas prévenir les médecins, putain, maintenant ils vont arriver. Hein? À tes souhaits. Ah ouais? On est plusieurs à avoir eu des soucis de son ce soir. T'es taré? Pourquoi je suis taré? Ah c'est cool, personne est venu.
Non, parce que ça fait deux fois de suite que je vais. Oula, c'est quoi ça? Ah. Yeah, ça a plus de bisous. Bon, on est tard, c'est l'heure de se balader en vache. Il y a combien de personnes sur le serveur? Ah bah allez, moi je me balade en vache, hein. Je termine ma scène. Allô? Ouais, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Ça fait plaisir de t'entendre. Ça fait quoi de beau? Tu m'entends mieux là? Ouais, je t'entends mieux, ouais. C'est mieux quand le téléphone il est à l'endroit. T'as vu? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, j'avais envie de parler, tu sais. Ah bon? Ouais. Ouais, attends, je suis en train de me faire arrêter par les flics. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait encore? Bah je sais pas, il m'a retourné. Tu t'es fait niquer? Ah, j'étais en moto et le flic il m'a foncé dedans. Me dis pas que c'est toi le message qu'on a reçu. Ah non, c'est pas moi, c'est le policier. Ouais, bref. Ah, c'est dommage pour eux parce que là, il n'y a plus personne en service. Hein. Ouais, c'est dommage, hein, monsieur le policier, dans vos dents. Allez, il est par terre, là. Monsieur. Non, c'est pas... Sinon, tape dans le casque. Hein. Attends, je vais le taper. Tape dans le casque, apparemment, tu peux finir paraplégique. Monsieur Muller, il m'a dit que j'ai le droit de vous taper. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, c'est un avis de médecin professionnel, hein. Attends, c'est un avis. Attends, Mais t'as pas t'as qui? Ouais, ça va, t'as morti. Alors non, pas vous, c'est... Arrête de m'appeler, putain. Ouais, je crois qu'on était en train de faire un accident de qu'est-ce qu'il y a avec vous. Oh, rien. Ouais. Oh, attends, parce qu'on va promener des vaches. Ah bon, moi je suis en train de me promener au phare, je vais sauter. Bien votre ami, il a pas eu un coup sur la tête. Pour voir s'il y a de la lumière. Non, attends, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler, ces enculés. Je vais sauter du phare pour voir s'il y a de la lumière. Non, tu sauteras nulle part. Mais pas du nulle part, du phare. Non, tu sauteras pas du phare. Ah d'accord. Ça marche. Voilà, t'as pas le droit. Ok. Bon. Ok. Allez, bisous, hein. Allez, adieu, hein. Bisous. Non, hein. Non, à demain. Ouais, non, peut-être pas. Je suis pas sûr, hein. Comment ça, peut-être pas? Oh, bah, je crois que j'ai fermé mes valises. Bonjour. Pourquoi? Ouais, j'en ai marre. J'ai envie de faire des conneries, tu sais. J'ai envie de tirer sur des gens. J'ai envie de faire plein de trucs. Moi, tu sais, j'ai envie de me mettre une carotte dans le fion. C'est pas pour ça que je le fais, hein. Ah, ouais, mais ça, il suffit. Monsieur, vous m'entendez? Jackie, hein. Ouais. Qui c'est qui veut se mettre une carotte dans le cul? Ah, moi je peux t'aider. Qui est la voiture de police? C'est à lui, l'autre débile à ma droite. J'entends, mais on vous entend moi, très, très mal. J'ai des formations pour ça. Hein. Très mal? Ouais, ah, là, c'est... Moi je fais des formations, on le déforme. Hein. Parce que. Ouais, bah ouais, non mais. Le juste flic il est un peu débile, regarde, je suis en train de dire que le flic il vous est débile. Vous avez un problème de quoi? J'ai bouge la tête comme un chien derrière. Ouais, bah ouais. Tu sais, quand tu mets les derrière les rétros, tu mets un chien et bouge la tête comme ça. Bah, je suis sûr, un cadet, tu lui dis t'es con, hein, il bouge la tête comme ça. Ah oui, bah oui. C'est con, hein, j'ai plein d'appels, mais je suis pas disponible, hein. Y a plus de médecin en ville, hein. Le médecin, il est radié de l'ordre, hein. Trop d'erreurs professionnelles. Ah bon? Ah ouais, tu vas voir, hein. Y en a à qui je vais couper les couilles, je le ferai exprès. Mais non. Moi, je te jure, moi le premier, je crois que je vais me couper une couille et je vais la manger. Hein. Mais non. Et du coup, t'es où là? Bah, non, on l'entend très mal. Je suis à côté du centre commercial là. Je vais bientôt mettre une carotte dans l'oignon. Oula. Ouais, bah, t'as bien raison, hein. T'en mettras deux, hein. Une pour toi et une pour moi. Ouais, hein. Ouais, mais ouais, parce que là, y a le policier, il commence à me casser les couilles, là, le pio-pio de mes deux. Hein, attends, il arrive. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je peux vous aider peut-être? Vous allez bien? Parce que vous avez eu un sale coup sur la tête quand même. Qui ça, moi? Bah oui. Tu t'es regardé avec ta gueule? Monsieur. Je te laisse pas faire, Jackie, on là, si vous voulez pas finir en garde à vue. Qu'est-ce qui va finir en garde à vue, hein? Demande-lui si sa mère, elle l'a fait pas en cul, demande-lui. On m'a demandé si ta mère...
On a demandé quoi? T'es sûr que tu veux que je dise ça? Ouais, mais franchement, c'est pas ce qui vient, donc vas-y, hein. Parce que on m'a demandé de vous. Attendez. Vas-y, dites-moi. Attends, c'est quoi déjà? Demande-lui, ta mère t'a fait par le cul, espèce de trou du cul. Est-ce que ta mère t'a fait par le cul, espèce de trou du cul? D'accord, et vous avez qui au téléphone? Ah, actuellement, c'est qui au téléphone? Ah, elle m'a dit c'est ta mère. Là, c'est Mike Tyson. C'est dommage parce que ma mère est morte. Hein? C'est Monsieur Muller encore, c'est ça? Non, c'est pas Monsieur Muller, regardez. Ah, c'est Jésus, du coup, c'est Jésus. Il a marqué Scott Cut. Scott Cut? Ouais. T'es sûr qu'il t'appelle? Ouais, ouais, je suis sûr. Mais, d'ailleurs, tu dois m'acheter du coup. Je l'appelle hein. Deux secondes là. Ouais, allez-y, hein. Attends, je raccroche, hein. Ouais. Ok. Ah bah, il a raccroché. Ah bah, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Monsieur, calmez-vous là, deux secondes. Non, mais tu peux t'arrêter. Pourquoi il pousse la moitié du flic? Mais lui, il est. Ah putain, il y a Scott qui m'appelle. Allô, qu'est-ce que tu veux encore? Ouais, dis, ça serait pour acheter du bois. Tu bois, bon, mais... du coup. Me... Attends, parce qu'il y a le côté qui est cassé cool. Monsieur. Pas cool, est-ce que ça va? Bah, moi, ça va et vous? Demande-lui s'il a déjà fait un God Miché sans écharpe. Tu as déjà fait un God Miché sans écharpe? Bon, si c'est pour tirer des âneries comme ça, messieurs, je vais vous laisser. Qu'est-ce que tu dis des âneries? Tu lui dis que de toute façon, t'as pas toute ta tête et t'as un certificat qui le prouve. Y'a un certificat qui prouve que t'as pas toute ta tête. La tienne, connard. Ah, ma tête. Avec qui vous avez le numéro, vous direz qu'il vient de me voir. Ouais, bah, je vais vous le donner si vous voulez. Oui, au pire, donnez-moi son numéro. C'est qui? Ouais, c'est attendez, là, je vois pas, je suis au téléphone. J'espère que tu l'as, espèce de connard, parce que tu me crames, t'es pas de soucis. Je raccroche, espèce de connard. Ouais, c'est bon. Alors, le numéro de Scott Cut. Vas-y. Parce que c'est con, il m'appelait tout le temps et dire de dire des trucs. C'est Scott Cut. Moi, c'est bien, il n'y a pas mon numéro. Attends, putain, il est où? Là, il est là. C'est le 222-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 
Ouais, efface notre dernière conversation, des fois tu piques ta cime, hein. Ouais, t'inquiète. Putain, il a raccroché ce con. C'est quoi? Qui? C'est Scott Cut. T'as qu'à lui répondre. Y'a des gens qui dorment à cette heure-là. Là, j'ai faim. Tiens, je vais manger, j'ai déjà faim. C'est normal, je vais manger mon certificat d'assurance. Ouais, ouais, bah oui, quand même, je reconnais sa voix. Ah, c'est ouais, bizarre, je suis sur son répondeur. Bah, il veut pas répondre. Bah, ouais, la police. Ah, non, bah, ouais, j'ai bête. Bah, ouais. Peut-être ta maman l'a dit de pas répondre aux gens qui connaissent pas. Je vais vous laisser si ça va mieux, messieurs. Ouais, et si vous voulez, quand vous l'appelez et qu'il vous dit c'est pas vrai, vous dites que c'est John Lizzo. Ah, ah. Non, c'est vous. Bah c'est non, vous mais c'est moi, John Lizzo. Ah, c'est un mec, sa voiture, là. Ah, bah ça. Je connais pas monsieur John Lizzo, du bah, coup. Bah c'est moi. Non, ah, vous êtes pas monsieur John Lizzo. Si, il s'appelle Jackie Lizzo, John Moriarty. Ah, on vous connaît quand même au sein de la LSPT. Oh, moi, je vous ai jamais vu. T'es une star. Ah, c'est parce que j'ai pris quelques jours de vacances, mais juste retour. Non, ça, non, ça moi, prend rien, ça prend des jours de vacances. Oh, t'inquiète pas. C'est qui klaxonne là comme un enculé de merde? C'est toi, espèce de sale enculé là. C'est qui klaxonne? Notre bâtard de main là. Bon, allez, c'est parti pour la vache. Rien vu. Pas bien ce que tu fais. Ah voilà. Allez. C'est bien vache. C'est bien Margot. Arrête de brailler. Tu m'as déjà cassé les couilles. Ta gueule. Démute-toi gros con. Ah
Bah je sais pas, il est minuit. Il est minuit et demi, ça va. Pas du tout. Eh hey, reviens, salope. Non. 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 Let's go. Mais non, viens, on fait comme si tu promenais ta vache. Bon, pas trop. Aïe, arrête, tu me fais mal. Arrête. Arrête. Salope. Fais comme si tu promenais ta vache. Arrête. Et je décède. Attends-moi, j'arrive. Attends-moi. Attends-moi, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Et tu vois, je te porte. Attends, non. Ça fait quoi si je te porte? Non, 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 pas toi, pas toi, pas toi. Pas toi, lâche-moi, lâche-moi. Bah c'est pas grave, on marche. Animaux 3. Ah non non, mais moi je croyais qu'on était un humain et une vache. Tu vas te mettre en vache aussi. Le TP où? Non, je me suis trompé. Oh, je me suis planté. Je viens de me péter la gueule, gros. Oh, les lumières du Comico, elles sont éteintes. Ah non, attends, non, c'est pas... On est à côté. Il y a des vaches devant le Comico. Vas-y, vas-y. Et tu fais juste un appel vite fait. Non, c'est bon, t'inquiète, je surveille. Arrête de te balader. Arrête de te balader sur deux pattes, putain. Mais moi t'étais sur deux pattes quand t'avais ton téléphone. Ouais, en fait il a pas son service, Rémi. Ça, il doit être le dernier flic en ville. Ils sont où? Bah justement, c'est en Nichor, c'est un bon endroit pour trouver des vaches. Ah oh, sinon on se met en coyote, gros, je crois qu'il a laissé les coyotes. On se met en coyote. Ah oh, non, on se met un coyote et une vache et tu pour... on... et le coyote il poursuit la vache. Et on passe devant eux. Hein? Bah t'es où? Où ça? Je te vois plus. La voiture elle va te foncer dedans. Yes. Vas-y. T'es le nul. Il me dit quand c'est bon. Je suis la vache. Vas-y, vas-y, crie, crie. Aïe, il me frappe. Cours, cours, cours. Arrête.
Quel bâtard. Non, on les suit. Ah, le bâtard, il passe derrière. Viens, on... Mets-toi derrière, mets-toi derrière. Poursuis-les, poursuis-les. Ouais, non, mais ils vont beaucoup trop... Wouah, dans la fumée, ça fait... Waouh. Je vais me faire écraser. Cours. Ah ouais, en rat, gros. Attends, je vais me mettre en pigeon. Attends. Mais non. Bah non. Aïe. Attends. Sont vers le phare. C'est clair. Ils sont vers le phare. Mais par contre, je sais pas pourquoi des fois on meurt. Mais même quand tu te manges pas de texture, tu meurs des fois. T'es mort ? Mais t'es mort par quoi ? Ah, mais ça, c'est un truc drôle à voir. Oh, bah ah oui, d'accord, en effet. Je me suis mangé une fougère, je suis mort. Et du coup, j'espère qu'ils sont encore là-bas. Moi non. Ça tourne pas. Ouais, au phare, ouais. Bon, il y a une voix comme ça. Oh, je me suis mangé la voix pleine. Elle est où la sortie de la fougère? Coucou. Ah bah, je suis encore mort. C'était... Oh putain, je vois ton oiseau faire des trucs chelous. En fait, faut rester shift à appuyer pour qu'il batte des ailes. Par contre... Ah oui, ils sont là. Ils sont en train de la porter jusque dans la maison. Apparemment. Oh, je suis mort. Ouais, moi aussi, mais c'est chaud. Parce... Ah ouais. Oh non, j'ai arrêté de battre des ailes. C'est peut-être Lysandre. Il y a quoi comme raison? Aïe. Ah, il est en train de m'éclater, ce bâtard. Ouais, c'est... T'avais l'oiseau, là? Mais t'es méchant. Non, mais là... Mais non, c'est rigolo. Non, laisse-le. Pas content. C'est un enculé, ça. Mais ouais, il est méchant, petit piou-piou. Ouais, envole-toi, piou-piou. Envole-toi, si tu veux pas acheter sa boîte. Mais je suis sûr, il m'entend. Regarde, piou-piou, envole-toi. Attends, je vais... Et regarde si tu peux porter et le mettre dans l'eau. Arrête. Non, descends, descends, attends, je regarde si je peux le prendre. Ah non, attends. Je regarde si je peux le porter. Regarde.
Viens, on va le mettre dans l'eau, il est mort. Quel bâtard. Quel bâtard. Ou sinon, on te bouffe ce soir. Oh bah non, il est pas mort. Laisse-le. Attends, pousse-toi, ma chérie, pour voir un truc. Un rapace, en plus. Ah ouais, c'est un crevard, ça, hein. Ouais, bah laisse-le. Tiens, je vais l'appeler. Non, je l'ai on pas. Y donne un nom. Vas-y, j'y donne un nom. Je l'appelle Gourgandine. Non, non, je peux pas te suivre, gros. Je suis juste devant eux. C'est n'importe quoi, ce nom. C'est Gourgandine. Il est beau, Gourgandine, hein. Quel bâtard. Mais il a les noms. Je suis sûr il est un peu pédé sur les bords, Gourgandine. Oh my god. Je suis sûr il a les noms au-dessus de lui. Non ? Bon, il manquerait plus qu'il y ait une vache qui vienne nous recharger. On a fini la journée, hein. En vrai, jusqu'ici ? Il y a quoi d'autre comme animaux, je sais plus. Ah, il y a le rat, gros. Attends, je vais chercher le rat. Ah, mais non, je suis juste à côté d'eux, je peux pas me permettre. Je vais aller derrière la maison. Ceci, il a capté. Hein. Ceci, il a clairement. Il a clairement capté, je pense. Hein. Attends, j'arrête pas de mourir en boucle. C'est quoi le nom du. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le rat. Sia. Ah ouais. Tu sais que moi j'ai voulu m'envoler. Je me suis mangé le premier arbre. Je peux pas gros, je suis sous leur voiture. Y'a un rat derrière. Putain mais non, c'est non, quoi non, ça. Non, viens pas vers moi, viens pas vers moi. Mais c'est le phare, viens pas vers moi, des trucs viens saloperies. Pas vers moi, je suis sur leur là-bas, voiture. Phare, je suis sous leur voiture, viens ah ouais, pas vers bah moi. On va aller au phare, hein. Vas-y. Ah. Ouais, viens vite. On peut pas le laisser comme ça. Putain, Tommy. Je suis en train de poursuivre mes filles. Mon idée, c'est le 60. Mais faut oh que tu viennes god. En rat, gros, par contre. Putain. Le rat, oh, c'est le 5. Mais c'est quoi, ce délire? C'est le 5. Faut qu'il part pas. Ah, il y en a deux. Viens, on se casse de là, vite. Faut les poursuivre, gros. Vite, attends, faut attends, me laisse pas. Reste avec elle, reste avec Kumi, moi, je poursuis l'autre. Elle est au-dessus de la voiture. Ah, oh, putain, je peux pas passer sous la barrière. Elle est passée où? Ah non, je suis coincé. Ah non, c'est bon. Bon bah tant pis, on reste avec Kumi. Elle est encore sur la voiture. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle s'enfuit. Cours. C'est excellent, j'adore. Faudrait le. Elle court dans tous les sens. Elle est en train de descendre les escaliers. Non, reviens. Elle est où? Oh, elle est en train de descendre tout en bas. Est-ce que le rat il nage, tu penses? Tu vas mourir. Attends, moi je vais voir si je peux nager. Ah bah je meurs.
Ouais. Oh, oh, je suis dans le fond marin. T'inquiète. T'inquiète, je suis en train de réussir à y aller. Si, je meurs, mais je me revive. Ouais, j'arrête pas de crever. Tu me vois ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, on fait comment pour monter? Bon, tant pis. Hein. On remet des grands moyens. Ils sont où? C'est bon, moi je suis sur la plateforme. Faut juste trouver comment descendre. Attends, non, je suis bloqué. C'est bon. Tu es en dessous. Non, putain. Dans quel coin? Ah ouais? Passe à travers, gros, c'est pas une bonne idée ton truc. Au pire, attends, j'ai une idée, gros. Vas-y, attends. Oh non, putain, ils sont là. Non, mais va, allez-vous-en. Je veux tomber. Wesh, pourquoi y'a un granuleux? Attends, je me TP à toi. Oh, mais non, mais gros, là, c'est un cul-de-sac, en fait. On peut pas les rejoindre. Vas-y, gros, c'est bon. Moi, je suis bien. TP-toi à moi. C'est bon. Vas-y, viens. Ils sont juste là. Regarde, on les voit. Qui nous... Oh non. Cours. Elle nous a éclaté. Cours, mais t'as plaît. Elle m'a éclaté. Cours. Andrew, il y a un rat. Je vais le manger, Mais sauve ton mari, putain. Hein? Ah, il essaie de... S'il te plaît, tu le... Non, par contre, remets-toi en rang. Oh mon dieu, c'est pas toi que je voulais taper. je voulais taper le rat. Il se... Recours, je me manque pas de mes cœurs. Il se tape entre eux, c'est génial. Oh la pute. Tu sais quoi la meilleure manière, c'est... T'as bouffé Kumi. Putain. Aïe. Est-ce que ils sont en train de me taper? Choper le rat. Oh, il a sorti le taser. Mais genre, attends, mais il sort d'où son flingue? Mais de quoi il sort d'où son flingue? Fais gaffe, il me tire dessus, gros. Ah bah ouais. Pas bête.
Au secours! Au secours! Ah, John Wick, tu vas réussir? Non, j'ai une grenade. Oh. Quoi? Attends, il a dit j'ai une grenade. Il la sort d'où sa grenade, gros? Bah, même le. Là, le gun qu'il a eu, là, il est pas censé l'avoir, je pense. Ils sont partis, tu crois? Je les vois plus. Mais... Il me tire toujours dessus, gros, et j'esquive ses balles. Ah, t'as de lâche. Mais t'es où, toi? What? Pourquoi je suis mort? Ouais, il m'a tué, comment encore? Mais frère! Mais comment je meurs? Je crois qu'il me tue via... Non, il me tue via commande, je pense. Non, je suis Non, je suis pas dans l'eau. Oh toi! Ah! Putain! Non, je te dis, je suis sûr qu'il me tue Arrêtez, il va vous ronger! Même pas de. Ah, t'es hyper bon. Ouais. Attention, recule. Non! T'es sauvage, hein? Mais si. Mais gros, mais. Ah, il me met une gifle, je meurs. De la putain, enfoiré. Ah, dans le monde de ce gifle. Ouais, frère. Au secours! T'es où toi? Je te vois pas toujours. Sont partis. Bon. Ouais, là, ils sont partis par contre. Je suis un rat qui nage. Ah, je vais crever. Y'a quoi d'autre comme animaux sympa à prendre? Le animal 1 c'est quoi? Je vais m'éloigner un peu, je vais tester voir c'est quoi le animal 1. Oh c'est un... C'est un daim. Oh non merde, ils m'ont vu. Ouais, ils se cassent. Ouais, mais bon, le gun, j'aimerais bien savoir de... Il a... T'es dans l'autre sens. T'es où, toi? Non, je te vois. C'est quoi, déjà, l'animal, là? Ouais.
Tu les as retrouvés? Ouais, mais avec la vitesse de l'aigle, gros. Tellement pas vite, c'est insane. T'es perdu en plus. Bah si, tu vas pas vite. Je me mets en vache aussi. C'est la vache combien? C'est la vache, c'est l'animal combien? Ah ouais. Ouais mais gros, au bout d'un moment ils vont se poser des questions, genre ils voient 50 vaches. Ah ouais. Elle est pas là de base celle-là? Pas grave, on l'éclate. Non, il y a des moldus, on va éviter. Ouais. Non. Ça a éclaté leur vitre. Tu veux tester ça? C'est pas moi. Fais du stop. Bah t'es connerie le mec. Bon. Ils sont dans quelle voiture? Comment tu sais? Comment tu sais dans quelle voiture ils sont? Ah ouais. Oh là, je... Vas-y, cours. Encore? Tu me dis quand il y est, je me tais pas à toi. C'est bon, je peux me tais pas à toi. Bon bah je me tais pas à l'hôpital. Oh, je suis où? Oh non, je suis dans les... Hein? Mais non. Putain, je suis coincé dans le sous-sol. T'es où? T'es pas du tout à l'hôpital. Tu vois de raccourir dans la rue. C'est génial, gros. Franchement, faut se faire un live où on est full... Arrête, parce que la gif est one shot. Voilà, bravo. Mais oui, bah voilà, je suis sous la map. Hein. Putain. Faut que tu me TP, gros, sinon je pourrais jamais repartir. Ah voilà, c'est bon. C'est bon. Connard, bah.
Ah bien. Oh bah je suis mort aussi. Putain. Faut attendre qu'on retombe sur le sol pour se revive sinon tu meurs. Merci. Au secours. Quoi? Oh merde, bah je t'attends. T'as changé de vue, je suppose. Ouais, mais en rare, faut pas le faire. Ouais, mais en... Non, mais t'as pas appuyé sur V. Hein? Ouais, mais... Ouais, ok. C'est... Oh, c'est génial, gros, quand tu marches comme ça. Tu marches le long des trottoirs. Ah, on peut peut-être aller dans les égouts. Ah non, y a pas d'égout en fait. D'ailleurs, sacrée soirée de RP. Bah là, c'est plus. Ouais, c'est clair. Allô. Ouais, ce serait possible d'avoir un paramédic, s'il vous plaît, là, parce que j'ai ma femme, elle s'est fait faucher sur la route, ouais, on m'a volé ma voiture. Je suis pas médecin. Ouais, mais t'es pas un médecin, mais tu en connais, donc tu m'en envoies, connard. Ouais. Ouais, ouais, je sais, tu vois de quoi je parle. Non, je veux pas. Tu m'envoies un paramédic avec une ambulance, s'il te plaît. Putain. On est au milieu de la route, là, pas loin de la. Je peux pas, là, je me bats la tour de pattes. Ouais, moi aussi, ouais. Putain. Faut que tu m'envoies tes coordonnées alors. Hein, parce ouais, je te les envoie, mais j'ai besoin d'une ambulance d'urgence. Hein. Ouais, mais Linda, elle est dans le mal. Hein. Envoie-moi tes coordonnées, j'arrive. Oh putain. Slash 7 bed. Paramédic. Slash. Mais Linda, elle est dans le mal, apparemment. Mais du coup, il m'a appelé pour aller sauver. Alors, kit de soins, bandage, caca, et c'est parti. Parce que j'ai tout sur moi. Yes. Vestiaire, tenue d'ambulancier, c'est parti. Bonsoir, monsieur, dame. S'il vous plaît, restez sur le côté. On va commencer les préparatifs. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. La portière vient de s'exploser. Pas RPEMS moi à la base hein. Bonsoir. Michel, Putain, qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas ce qui s'est passé, on s'est fait contrôler de partout, j'ai pas compris. Quoi? Il s'est fait contrôler? C'est vendredi 13 ici, je te jure, vas-y, mène-nous à l'hôpital, elle a besoin de soins là. Ah putain, attends. Alors attends, je vais la porter. Vas-y, arrive. Attends, recule un peu. Allez, nickel. Allez. Ne vous inquiétez pas, mamzelle. Hop là. Vas-y, tu l'aides à monter, s'il te plaît. Ouais, viens, chérie. Je monte derrière avec Koumi, monte vas-y, devant vas-y. Avec Michel. Ouais, t'es sûr. Viens, chérie. Qu'est-ce que c'est que tu en es dingue?
J'ai pas compris. C'est la merde. Je te jure, c'est la merde. Michel qui a perdu son chat. Je te jure. Hein? C'est la merde. Michel qui a perdu son chat. Je te jure. Oh, ma voiture, elle est là. C'est qui, Michel? C'est pas toi? Ah, bah si, c'est vrai, c'est moi. Bah ouais. Ouais. Allez, vas-y, on roule à fond là parce que j'ai pas envie que. Oh, non. Bah ouais, non, on se lâchera pas. T'inquiète, tu es avec, mais doucement, hein. T'inquiète. T'inquiète. Non, doucement, je connais comment tu pilotes. Doucement. Ah, t'inquiète. En haut ou en bas? Michel. En haut. Okay. Ça bouge dans tous les sens. C'est normal, t'inquiète. Laissez-moi passer. Mais... Arrêtez. Michel, on peut pas sortir, Michel. Comment ça, tu peux pas sortir? Ah, c'est bon. Oh là là, j'ai des problèmes. Oh, mes lunettes de soleil, elles fonctionnent plus, je vois. Allez, on te met dans le fauteuil, chérie. Oh, je suis en full bug, je les vois en invisible. On te fait un check-up complet, premier étage. Ah bah je crois que j'ai full bug en fait, j'ai full planté. Super. J'ai full plante. Bah, j'ai pris l'ascenseur et je peux pas, donc tant pis. Pas grave, héros. Adieu, Michel. Je vais relancer vite fait, mais. Juste histoire de terminer la scène et puis après. Après, on changera de jeu. La padère. Oh, en tout cas, c'était bien drôle, putain. Hein? Non, tu leur envoies en privé à eux. Oh, parce que c'est là, il est speedy, tu t'envoies pas un mail à la speedy. Les filles n'ont pas capté que c'était vous en ra. Ah ouais? Ah, je pense. Ah bon? Mais aussi, si tu le dis ça, gros, normal qu'il sait que c'est nous. C'est pas moi le roi, genre. Ouais, bah, du coup. Bon, c'est pas grave, c'était sympa. Ouais, elles sont toutes les deux montées dans le. Montées dans la voiture, putain, c'était bien drôle. Sur la voiture, pardon. Ouais. Footpad 63 paramédic. Et quoi toi après? Tu vas te coucher? Tu vas te coucher après là? Ils sont dans le premier étage. Je pense qu'ils sont par là-bas. Ça va? Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, Kumi, elle est pas venue te voir parce que j'ai peur de me tromper dans le diagnostic. Ça va, Andrew? Y'a rien à signaler. C'est vrai? Pourquoi? Oui, je te jure. Elle lui est arrivée quoi? Elle a, je sais pas, la porte s'est ouverte de la voiture, elle a glissé sur 10 mètres. Oh. Oh putain.
Kumi, tu peux prendre, je me sens plus capable. Hein, Kumi. T'arriverais à prendre le relais là où je me sens pas bien. Ok. Merci. Mais je, tu mets Bah tu mets écolo PCH. Tu veux qu'on aille boire un verre à la cafette? Non, ça va, ça va. Merci à Michel. J'ai peur, hein, c'est tout. Bon, t'inquiète, c'est une battante. Ouais, je sais. Moi, 5 jours du mariage, tu comprendras que j'ai peur de tout perdre, là, du coup. Hein. Moi, ça ira, t'inquiète. En parlant de mariage, tu m'as pas invité. Ouais, si, tout l'établissement a reçu, hein. Mais apparemment, tu seras pas disponible. Bon. Oh putain. Toujours pareil quand il y a des amis qui font leur mariage. Apparemment, tu feras des tacos, tout ça, apparemment. Ouais. Ah bon. J'étais pas au courant. Ah ouais, je ferai des tacos, ouais. Fernandez, c'est pas toi. Et les tacos saucisses. Andrew ? Ouais. Elle veut te voir. Allez, mon pote. Ouais. Oh, il a... Pourquoi il vous est arrivé quoi? Ah, déjà ça, et puis avant, il y avait des animaux un peu partout. Des animaux? Ah ouais, j'ai cru croiser les deux vieux, ils ont perdu leurs vaches. Ils ont des vaches? Bah ouais, ouais, ils ont des vaches. Première nouvelle, la dernière fois que je suis chez eux, j'avais pas vu de vaches. C'est normal, c'est parce qu'ils les... Ils les mettent dans, les... dans la grange. Ils les mettent dans la grange. Que là, tout à l'heure, ils ont voulu les sortir pour les mettre dans le pré et s'enfuir. Ah là là. J'espère vraiment que ça va aller. Oh oui, je pense. Ah, on est tous mariés en plus, quoi. C'est pas le moment. Ouais, ça je sais, ouais. Ouais, c'est dommage parce que je suis en service le jour où ils se marient. Ah, je suis pas ça. Bon, allez, je vais vous laisser. J'ai peur du travail. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. T'es encore là, Auron, là? Oh là, non! Oh là, bah super! Ouais, c'est pas grave, de toute façon, on va quitter. Bon, j'espère que ce live vous aura plu. C'est parti un peu en cacahuète à la fin. On a, certes, il y en a qui peuvent penser que, du coup, étant donné qu'on est admin, on peut user des droits d'administration. Par rapport à ce qu'on a fait ce soir, j'en suis conscient, mais après c'est pour créer des événements aussi. Je veux dire, le fait qu'on se mette en animaux, ça peut permettre du coup de créer des scènes comme ce qui s'est créé tout à l'heure. Et bah, y a des quiproquos qui font que bah, quand t'es en animal, bah, tu peux mourir très facilement. Du coup, t'es obligé de use de la commande de revive. Et là, du coup, comme ils étaient pas en service, ils avaient besoin d'un médecin, du coup, je me suis mis en médecin, etc. Ça, c'est des trucs que tu fais souvent quand au début, quand il n'y a pas énormément de... Enfin, quand il y a des joueurs, mais que du coup, à certaines heures, il se peut qu'il n'y en ait pas.
Du coup, bah voilà, bref. En tout cas, j'espère que ce live vous aura plu encore une fois. Demain, je sais pas ce qu'on fera. Je vais voir pour vraiment essayer de vous proposer un live autre que GTRP, mais à chaque fois que le moment de faire de live commence, j'ai envie de faire du GTRP et du coup, bah au final, bah on fait un live GTRP. Mais vous inquiétez pas, on va reprendre Assassin's Creed Origins très bientôt. Donc voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera du coup demain pour un nouveau live. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Tchuss tout le monde, salut, bisous.